Si c'est Bakongo prend officiellement les rênes du district autonome d'Abidjan, nommé par décret le mercredi 27 décembre par le président de la République, il reçoit les dossiers de son prédécesseur, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, le mardi 2 janvier 2024. La passation de charges a eu lieu en présence des amis et collaborateurs. Je ne me suis jamais penché, je suis toujours resté droit. Et je crois que c'est cette confiance qui me vaut de redoutables honneurs d'être ici ce matin en tant que ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. On a récupéré tous les postes internationaux pour le district d'Abidjan. Dans toutes les organisations, on était soit président, soit vice-président, et le moindre des postes était secrétaire général. Et je sais ça, non? J'ai mis tous ces dossiers entre les mains de mon frère Bakongo. À telle enseigne que le district d'Abidjan est la seule grande ville francophone avec Dakar à avoir un plan climat. Parce qu'on a bataillé comme il se doit. Je refuse que la Côte d'Ivoire soit derrière. On était pris. Âgé de 68 ans, Cissé Ibrahima Bakongo est le secrétaire exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le parti d'Alassane Ouattara. Il est également le maire de Koumassi, une commune située dans le sud d'Abidjan.